Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Moi, c'est Serge Fortini, bienvenue sur ma chaîne YouTube et surtout bienvenue à Madère. On est sur une île, il fait terriblement beau et puis je vous ai fait pas mal de vidéos par-ci, par-là. Mais avant tout ça, l'introduction qui est liée directement aux nuages là, qui sont au-dessus de ma tête, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être... Fait très 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 beau et ça c'est cool. Je suis à Madère pas pour rien, hein, vous vous en doutez, je suis là pour le Mute, donc ultra trail, le 115 km qui devrait en faire autour de 120, je pense 8000 des plus si je dis pas de bêtises, je l'ai jamais fait. Merci à l'organisation pour l'invitation. Mute qui a démarré, c'est une belle histoire de trailer entre copains sur l'île de Madère. Sur un club ici à Funchal, là où je vous actuellement vous filme cette vidéo. Cette vidéo là, je le fais derrière moi. Vous avez une belle piscine, il y a une belle vue parce que on est à l'hôtel The Vine, très très bel hôtel. Merci à eux de nous accueillir sur ce site et de pouvoir faire cette vidéo et pouvoir filmer tranquillement. Voilà. Bon, je te mettrai des liens en description si tu veux venir ici et avoir cette belle vue à 360 et manger terriblement bien. Je reviens à ma petite histoire là du Mute. Le Mute, donc c'est des copains, ils ont décidé de traverser l'île de Madère, donc une île portugaise, nord-ouest au sud-est. Et ça, c'était en 2004. Ils ont fait leur petit chemin, ils l'ont fait quasiment tous les ans, ils ont augmenté les distances, ils ont augmenté les dénivelés. Ça s'est officialisé, c'est devenu une compétition. Puis aujourd'hui, c'est même une compétition internationale dans le World Series Ultra Trail, où tu peux te qualifier, ou la fameuse Western Stage. Elle fait aujourd'hui, sur le papier, 115 km pour 7000 D+. C'est clairement une des courses les plus dures du monde, hein, faut dire ce qui est. En témoigne ce vlog au complet. Allez, on démarre immédiatement. Let's go! Cette vidéo est sponsorisée. Merci Zumub pour m'accompagner au quotidien pour pouvoir vous faire des aventures. Voilà, merci Zumub. Je ferai une petite présentation de produits là, maintenant, peut-être, sans doute, tout de suite. Ciao. Donc, au niveau des produits, qu'est-ce que je consomme? Je consomme pas mal de choses. Moi, je t'invite à regarder sur les réseaux sociaux, j'en mets régulièrement. Je vais pas t'assommer de, entre guillemets, publicité dans cette vidéo, mais simplement de dire que voilà. Merci Zumu parce que j'utilise leur complément alimentaire essentiellement l'ISO, BCAA, le guarana, la caféine, etc., etc. Mais je vais pas te aujourd'hui j'ai décidé de pas te le détailler. Si ça te convient comme ça, tu me le dis, tu me valides que tu préfères que ce soit comme ça en commentaire et puis je te détaille les choses en fait sur Instagram. Donc moi j'ai atterri sur l'île à Machico. Machico, c'est le lieu où tout va se passer. C'est l'arrivée, c'est là où tu vas retirer ton dossard, récupérer les affaires, éventuellement prendre ton bus si tu y habites. Moi, c'est ici que j'ai décidé de loger avant la course. Quand même, c'est quand même beaucoup plus simple quand tu arrives et puis pouvoir aller te coucher concrètement. Derrière moi, c'est l'arrivée, c'est le finisher. J'espère y être. Oui, je tourne cette vidéo le jour du départ. Donc, le départ, il va se passer à minuit. À l'autre bout de l'île, au nord-ouest de l'île. On va arriver ici à Machico, le sud-est de l'île, où il fait très beau. Sur les côtes, il fait beau, ils annoncent une météo pas géniale, donc on verra si je vous fais un beau montage avec la météo de maintenant et la météo pendant la course. En tout cas, j'aurai ma caméra. Je subis mon D+, je le subis totalement. Et derrière, les sportifs, hein. On est sur une des plus belles îles du monde. Oui, il faut profiter pour faire un peu de tourisme. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, hein? On prend une voiture et là, il faut aller se promener. Des lieux emblématiques comme un certain Pico de Arriereo. Ouais, mon accent étranger, hein, il déchire comme d'hab. J'ai bien fait d'aller la veille parce que le jour de la course... Alors, lui, c'est pareil. Ouais, non, c'était pas génial le jour de la course, clairement. Et d'autres bien belles vues que vous voyez actuellement qui défilent à l'image. Et je vous le mets un petit peu en musique parce que c'est toujours plus sympa. Piou.
Dossard, carte de presse récupérée. Un petit tour sommaire dans le village. Le village expo, t'attends pas une machine de ouf type UTMB. On en est très très loin. Ne t'attends pas non plus à faire les courses. Hein, si t'as oublié quelque chose, vaut mieux clairement aller chez Decat un petit peu plus loin. T'attendras à avoir un supermarché du trail sur cet endroit. Non, c'est assez sobre, c'est simple. Il y a les partenaires et c'est tout. Allez, on va parler courses maintenant. On va parler du fameux Mute. Vendredi 21h30, donc le jour de la course, juste après la vidéo là, que tu as vu où j'étais en train de blablater, on a rendez-vous pour prendre le bus. Ouais, 21h30 pour un départ minuit. Donc dormir, je sais pas à quel moment tu dors. Moi perso, j'ai dormi 1 heure. Voilà, c'est tout. Donc, dette de sommeil. Donc pense à beaucoup, beaucoup te reposer, beaucoup dormir toute cette dernière journée. Ce que je n'ai absolument pas fait, hein, évidemment, puisque j'ai tourné, boulot, etc. Et alors, petit tips, dans le bus, ils sont ici, dans les véhicules, ils sont un peu comme les Floridiens, ils ont l'habitude des grosses chaleurs et ils adorent la clim. Ils mettent la clim à fond, partout, dans tous les véhicules. Et donc, dans le bus, ça n'a pas raté. Toi, tu es habillé pour aller faire un ultra-trail, t'es pas forcément avec ta doudoune. Ben là, je te le conseille, prends ta doudoune avec toi, ou enfin, du moins, de quoi te couvrir, parce qu'au moins, si tu veux dormir un peu dans le bus, il y a 1h30, 2 heures de trajet. Tu vas pouvoir dormir tranquille au chaud. Et si t'as rien, si t'as que ta pauvre veste, ton coupe-vent et ta sous-couche, ça va être un peu light si t'es frileux comme moi. Donc voilà, petite astuce pour ceux qui regardent la vidéo pour préparer leur mieux. T'arrives sur site, on te dépose, t'as ton sac de délestage, donc faut aller le déposer immédiatement au camion pour qu'il puisse te l'amener au point de vie. D'ailleurs, point de vie, la base de vie, il n'y en a qu'une seule et elle est à peu près à moitié de course, à soixantaine de kilomètres. Bravo leur gars, merci leur gars, merci tous les bénévoles. Ils sont mais alors, vraiment très très bien organisés. Que ce soit le balisage, que ce soit pour les sacs, tu arrives au point de vie, ton sac arrive en même pas un quart de seconde, tu n'as même pas le temps de capter que ton sac, tu l'as déjà dans la main. Donc, maintenant, super bien organisé de ce côté-là. Allez, sportif, on démarre. Le start, il est littéralement dans une montée qui doit faire 25% au bas mot. Si tu as déjà été un peu sur les îles volcaniques, type Seychelles par exemple, voilà, ça ressemble à ça. C'est des montées, elles sont comme as. Vraiment, vraiment hardcore. C'est-à-dire que ça, même pas imagine faire un sprint au départ, c'est pas possible. Les élites peut-être qui trottinent, je sais pas, je chercherai un peu les vidéos, je vous les mettrai là en fond si je les trouve. Mais franchement, si c'est simple. Moi j'ai aimé parce qu'au moins, il n'y a pas de fond de jeu, chacun à son niveau. Si tu arrives à trottiner, bah, tant mieux, mais c'est super chaud dès le départ. Autour des 400 D+ pour environ 2 km. La moitié sur le bitume, l'autre moitié donc en début de colline. Et puis derrière, c'est que l'apéro. Hein. Tu sais que derrière, tu vas en manger 4. 4 énormes qui font entre 1000 et 1700 dénivelés. Donc, tu vas manger. Ouais, sportif, on n'a pas fait 1 km. On est dans une montée en bitume de, je sais pas, au moins 20%. C'est sympa. Personne qui court fort, là. C'est tout devant. Alors oui, j'ai fait une petite erreur de débutant, je me suis passé au milieu du sas en voulant partir tranquillement, un peu comme j'ai fait sur Grand Canaria, si tu n'as pas vu la vidéo, je te la mets là. Je m'étais dit, bon bah voilà, je sais que c'est un trail qui va être difficile, garde l'énergie pour plus tard. Bon, j'avoue, les sportifs, j'ai un peu regretté, parce que j'ai un peu fait la queue à droite, à gauche. Là, je vais le côté positif, je vais tendance à dire, bon, tant mieux, ça m'économise. Mais en fait, quand tu es en descente, ça t'économise pas du tout parce que moi, je suis un descendeur et j'arrive à complètement relâcher et à me régénérer en fait. Alors que si tu freines, tu es sur les talons, tu forces au niveau quadri, enfin, c'est pas un bon délire quoi. Une ambiance sur cette île, les gens, oh, ça m'a fait penser immédiatement, évidemment,
à la Diagonale des Fous. 2-3 heures du matin, le feu, voilà, je me répète peut-être parce que je l'ai sans doute dit aussi dans les caméras pendant la course. Oh, impressionnant quoi, 2-3 heures du mat, les gens ils sont en folie, ils t'encouragent, c'était vraiment vraiment sympa. Bon, les sportifs, 1600 des plus. 2h35 et ça y est, commence à pleuvoir. C'était sec jusqu'à là. Le terrain est plutôt roulant, mais c'était monteur, système le D+. Faut vraiment, vraiment pas traîner au départ hein, parce que c'est que des petits chemins. Je sais pas si on le verra, mais c'est que des petits singles. Super roulant. Si tu montes fort, d'habitude la montagne. Tranquille. Moi je suis resté dans le peloton, tranquille. Voilà. Donc là, 15 bornes. On vient de passer le ravito. Et on va attaquer une bonne grosse descente, je pense. Je crois qu'il y a quasi 1000 des moins. 800 ou un truc comme ça. Voilà. La nuit est plutôt bonne. La température, ça allait jusqu'à là. Alors ici, on est à 1600, je sais pas combien. Fait frais. On a sorti la veste. Merci Red Light. Et au chaud, on recommence à rouler. Allez. Bon, y a pas beaucoup d'images évidemment. Des images, j'espère vous en faire 4-5 heures quoi. Ah oui, oui, il a fait vraiment très très froid là-haut. Donc pas beaucoup de vidéos forcément, il y avait un réchaud pour se réchauffer, j'ai mis les gants, les vêtements, il y a tout qui fumait, des abandons à tout va à cet endroit là, ça a été, mais vraiment cette nuit elle a été, ça a été la nuit de l'horreur, hein. Pluie, grêle, des températures, on devait être aux alentours de 2-5 degrés, je sais pas, pas très très élevé, hein. Moi au poignet j'avais pas plus de 7, moi perso je tremblais, je me suis changé complètement, enfin non, je me suis changé en partie sur ce ravitaillement parce que sur moi j'avais prévu, mais la météo elle était annoncée pas très belle, hein. Donc je me suis changé pour être au sec, pour au moins descendre. Et voilà, à partir de la vidéo que vous venez de voir, je suis content parce que voilà, je ressors à la caméra, il fait quelques degrés de plus quand tu es en bas et c'est qui nous sauve, perso qui me sauve un petit peu quand même. Ouais, sportif, 21 km, 1300 des moins. Donc on a fait une bonne partie de la descente là, la première descente. Ultra fun, mais moi j'avais beaucoup trop de monde. Ouais, mon allure, donc t'attends à droite, à gauche. J'ai un peu trop pris mon temps au début, mais bon, c'est pas grave, ça m'économise pour la suite. Donc voilà, j'ai pas mal doublé. Là, on a un petit bout de route apparemment. Je profite pour vous parler. Il fait carrément très chaud, il pleut plus. En fait, en gros, il a plu au sommet, mais là, il fait carrément chaud. On s'est enlevé la veste. Voilà. Allez. La météo est pas mal. Nuageux. Je sais pas si on voit quelque chose, ça m'étonnerait. Et impressionnant, 3h du matin. Il y a du monde pour t'encourager quoi. Regardez ça. L'ambiance de partout où il y a de la route. Merci. Voilà, vous voyez, du monde de partout. Voilà, une grosse, grosse, grosse ambiance. Hein. Je retrouve vraiment les. Je commence à, déjà au bout de 20 bornes, à dire que oui, petite diag, ça arrive, ça ressemble fortement. Voilà, beaucoup de marche, hein, évidemment, sur cette descente. Je pense que rebelote dans la montée. Alors, ça. Allez, on y retourne. Merde. Ouais, sportif. Je suis au 42e, je pense qu'il doit y avoir un bito qui traîne. 3000 de montée, 2007 de descente. Il y a eu un épisode hardcore hein, au 30e. La pluie, le brouillard, température très basse. Bonjour. Et ça va que quand tu redescends, il fait bon. Là, j'ai été bloqué par un groupe, c'est fatigant musculairement. Et je vous montre ça.
C'est littéralement la réunion. Allez, bientôt le ravito. On n'oublie pas, les sportifs, de s'abonner à la chaîne, d'activer les notifications et mettre le pouce bleu. Merci les sportifs. 48 km, 3700 des plus. Je sors d'un ravitaillement. J'ai mangé, me suis réchauffé un petit peu. J'ai pas traîné dans celui-là. Et on a commencé à avoir des vues sympas. C'est un peu dégagé, il y a du vent. Mais c'était prévu aussi ça. Ah, il me revient clairement l'espoir d'avoir une journée belle, le soleil, tout va mieux, la nuit horrible est passée. Ouais, ça c'est l'espoir qui fait courir, mais tu verras un peu plus tard que non, ouais, la météo, ça va, ça vient, c'est vraiment une météo de montagne quoi ici. Mais il y a eu quelques passages lumineux qui m'a permis d'ailleurs de sortir la caméra et vous faire quand même de belles images, donc bon bah tant mieux pour le reportage quand même. 52 km, 4200 des plus, on va tout là-bas. On arrive tout en bas. C'est ouf. C'est complètement ouf. Quand c'est chaud. Chaud, chaud, chaud. Ouais. Merde. Putain, c'est dur. 4600. On va bientôt attaquer la descente. Mais dur, dur, dur là. Ce morceau, ouais. C'est 15 kills, 1000 plus, 1000 moins, mais waouh. Par contre, récompense, regardez un peu ça. Belle, belle, belle récompense. Ouais, sportif, 61 kills. On va pas tarder de voir la base de vigne. Pas trop où aller, mais on a fait des copains sur le qui m'ont fait descendre un peu le du 85. Eux, ils ont 30 km de moins, donc ils sont tout frais, ils gambadent. Comme vous pouvez voir, ça crache un peu, on se croit en Normandie. Et ça fait plus tropique quand même. Et là, ça descend de bouffe. Donc voilà, un petit 10 kills, 1000 des moins, bien passé, fait du bien de retrouver altitude basse, ça régénère. Allez, on y retourne, essayez de pas tomber. Oh, regardez-moi ça, on doit faire un aller-retour là-dedans. Donc là, la base de vie sans doute là-haut, et là on croise tout le monde. C'est un truc de ouf. Bon, et ce qui fait plaisir, c'est de croiser des gens qui voient mes vidéos. Bonjour. Allez, c'est parti pour les escaliers. Comme d'hab. Oh. Bon, on en prend plein les yeux. Heureusement que c'est dégagé. Vertigineux partout. Allez, apéro. Alors, 66 km, on attaque à 1500 des plus là. On en prend plein les yeux, comme vous pouvez voir. Il y a la petite rivière, il y a la montagne, c'est magnifique. Petite réunion quoi. Bon, je manque cruellement de dénivelé. Hein. Bah, ça tombe bien, là j'en mange plein. Donc, du coup, dès que ça monte, je suis dans le mal. Mais le ravito là, la base de vie m'a fait du bien. Donc, la base de vie, 61e kilomètre. Comme vous avez vu tout à l'heure, elle arrive jamais. Tu
fais un aller-retour de quasi un kilomètre. Elle est perchée là, la base de vie. Alors, confortable, il y a tout ce qu'il faut. J'ai mangé, j'ai bu, je me suis enchangé entièrement. Et voilà quoi. 9, 3 messages. Fermez les yeux 2 minutes. Et on est reparti. Je suis resté 40 minutes quand même. Mais j'en sentais vraiment le besoin. J'avais mal musculairement. Ça m'a fait. J'ai mis les jambes en l'air. Et là quand même ça va beaucoup mieux. Même si je monte pas très fort. Mais au moins je peux vous faire des belles images. Là il fait un peu chaud. Mais là-haut c'est nuageux donc je sais pas trop. Si j'enlève la veste, j'enlève pas la veste. Je la remets après. Je suis hésitant. Ah oui, on verra tout à l'heure. Alors ici clairement je sors ma caméra. Comme tu l'entends, c'est une voix off. Pour vous montrer les paysages. Hein. Ouais, j'ai carrément la flemme de parler. Je suis complètement épuisé de ce dénivelé. Mais je pense à vous. Et du coup, je sors ma caméra et voilà, je double. On fait un petit voix off. Sportif, je suis au sommet de la course. J'aurais dû vous montrer des belles images que je veux faire avec la magie du montage. Mais voilà, je voulais vous montrer ma tête dans le mal. Je subis mon D+. Je le subis totalement. Ici, ça doit être magnifique. Et la météo me dégoûte. Alors, le moment tant attendu. Moi, pour ma part, c'était le passage sur le mythique PR1. Voilà, vous voyez à l'écran quelques éclaircies qui m'a permis de filmer encore une fois, mais en vrai on voyait pas grand chose hein. À 10 mètres près, quelques minutes après que j'ai rangé la caméra, je voyais à peine mes pieds hein. Voilà, ça c'est la petite déception pour cette année de pas avoir ces paysages magnifiques avec la, comme je disais tout à l'heure, la magie du montage que je vais pouvoir vous mettre là, et des extraits, parce que quand même, il faut, c'est à voir, si t'avais jamais vu, voilà, tu vois comme c'est beau. J'en ai vu un petit peu avant, j'en ai vu un petit peu après, pendant assez peu, mais c'est beau. Alors lui c'est pareil, mais cette fois c'est mes images. Sportif, 82 km éclairci, on voit la côte là-bas, on la voit. On la devine. Trop bien. Il reste une trentaine de kilomètres. Voilà, tu montes descendant. Un petit 400 des plus quand même. Faire attention à lui, à mon avis, il va piquer. Voilà, je vais profiter encore. Paysage un peu différent de tout à l'heure. Surtout avec de la lumière. Ouais. 90 kills et voilà, le soleil s'est déjà barré. Bon, au moins on cavale, ça descend, ça fait du bien parce que le déplu j'en peux plus, mais il reste quand même une bosse qui va faire mal à mon avis.
Et voilà. C'est super roulant la fin là pour l'instant. On verra après. Chemin de forêt. Super sympa. Allez, go! Bon chemin forestier pour finir. Depuis le 90, là je suis au 95. Donc la fin, tu peux avoiner. Après, je suis toujours pas arrivé coutu. Mais en tout cas, c'est un gros chemin. Ça fait du bien, cavaler un peu. Allez, go! Ouais, récompense de fin. On est à 100 kills. Belle vue. Et une descente de la mort. Allez, on y retourne. Allez, 102 km, partie bitume qui en finit plus. Par contre, on en reprend plein les yeux, ça c'est cool. Allez, encore un ravito. Bon, apparemment, il y a plus de kilomètres que prévu. Arc! Bon, les sportifs, ça mérite pas les pouces bleus. Hein? Et puis, si t'es pas abonné à la chaîne, là, obligé, tu t'abonnes, quoi. Et on active les notifications. Ça fait vivre la chaîne. Ça fait tourner l'algorithme YouTube. Et mes vidéos, elles sont vues un petit peu plus. Je suis tout en bas. Je crois que le nom, c'est Santa Cruz. Je voulais partager sur Instagram. Je te mets le lien, là. 15 kills, 400 des plus, 400 des moins. Et c'est l'apéro. Des bonbons et du saucisson. Alors, il n'y a pas de saucisson. Mais sur cet ultra, j'ai abusé du fromage. Voilà. Et là, l'info du siècle. Oh, c'est trop beau. Même pas envie de courir, tellement c'est beau. Pas envie de rider. C'est une belle vague. Mais il faut y aller, allez. J'ai pas envie de faire trop de nuit. Si ça se goupille bien, je sais pas, 2-3 heures, je suis arrivé à. Je suis fini cher. C'est pas mal. Je suis dans le time. Il n'y avait pas trop de train en fait. Allez! Dernier rayon de soleil. Et les derniers kilomètres aussi. Il nous en reste une dizaine. Là, ça va être long. C'est sûr. Allez. Alors, la plus d'images. Hein, forcément, la nuit est retombée. Ce que je peux vous dire, encore une fois, que c'est très joli. Là, on est en bord de côte sur ces 10 derniers kilomètres. J'étais sur les derniers rayons de soleil. Donc, j'y voyais, c'était un peu avant de sortir à la frontale. C'est très sauvage, c'est très sympa parce que c'est un côté, encore une fois, c'est un petit sentier de randonnée de ce côté-là. Et c'est très roulant. Il n'y a pas de difficulté de terrain, en tout cas sur le sol. Tu vas pouvoir, si tu as encore de l'énergie, tu vas pouvoir courir. Courir même très vite, j'imagine que les élites là-dedans, ils devraient être très très forts. Ceux qui sont, pour info, ils sont à 14-15 heures pour la gagne, là, j'imagine aller très très fort là-dedans. Si, ça y est, on va en Machico. Il nous reste 7 km peut-être. Un peu moins 6. On va voir, c'est sans doute une descente. Une belle corniche là. Bon, le 2 jours, ça doit être plus joli. C'est sympa avec les lumières de la ville. Allez, on va finish line. Go! Et d'ailleurs, si toi là, tu as déjà fait mute, que ce soit cette année ou les années précédentes, qu'est-ce que tu as fait là sur ces 10 derniers kilomètres? Tu as couru comme un ouf? Tu étais à combien? Vas-y, moi je suis curieux de savoir. Tu me le mets en com, tu me dis voilà, 10 kilomètres. Je les ai fait en une heure, ou moins, ou plus, où j'étais complètement décalqué de la difficulté du terrain, et du coup, j'ai mis 3 heures. Vas-y, un commentaire, s'il te plaît. Ouais, sportif, on arrive sur la plage de Machico. L'ultra, c'est magique, on fait des collègues pendant des heures. On se connaît pas, et on se connaît à la fin. Thank you.
Philippe. 50 km. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On n'oublie pas de mettre le like, de mettre des commentaires. Tu me donnes ton temps si tu étais présent sur la course. N'oublie pas de me mettre ton temps. Comment toi tu l'as vécu, comment ça s'est passé. Je vous dis bonbon et saucisson. Sportez-vous bien surtout.